L'année scolaire 2024 à 2025 approche, marquée par un retour en classe le 2 septembre pour les élèves en France. Comme chaque année, les vacances scolaires viennent rythmer le calendrier, offrant quatre périodes de congés, la Toussaint, Noël, les vacances d'hiver et celles de printemps. Pour les élèves de métropole, le territoire est divisé en trois zones, A, B et C, une organisation datant de 1964, destinée à éviter les départs simultanés et à prolonger la saison des stations de ski. Ce découpage n'affecte que les vacances d'hiver et de printemps, tandis que les congés de la Toussaint et de Noël sont communs à tous. Les vacances de la Toussaint se dérouleront du 19 octobre au 4 novembre, et celles de Noël du 21 décembre au 4 janvier, sans distinction de zone. En revanche, les vacances d'hiver s'étendront du 8 février au 10 mars, et celles de printemps du 5 avril au 5 mai, selon la zone académique. La Corse et les territoires d'outre-mer ont des calendriers spécifiques. Pour connaître précisément les dates des congés selon votre région, il est conseillé de consulter les informations disponibles sur le site officiel du service public. En résumé, l'année sera ponctuée par ces pauses scolaires attendues, permettant aux élèves et aux familles de planifier leurs activités et vacances. Ces périodes de repos sont essentielles pour équilibrer le rythme scolaire et offrir aux étudiants des moments de détente et de loisirs.